culture à présent, live painting, le remariage d'un concert de musique durant lequel un peintre professionnel ou amateur traduit la musique qu'il entend sur un plateau, une toile peinte en plein concert, dirait-on en français. Et sur un tableau, un live painting vient d'avoir lieu à Paris. Djelo Ava, le guitariste d'Afro Jazz camerounais, a accueilli Zaza Noah, la petite sœur de Yannick Noah, à l'un de ses concerts. Le tableau issu de cette fusion a été vendu aux enchères pour des œuvres caritatives, mais faisons déjà connaissance avec le procédé à travers le coup de pinceau de Serge Atanabiso. Le concept fait fureur ailleurs. Un concert de musique, tout ce qu'il y a de simple, de normal, sur le podium. Mais une spectatrice à part dans la salle. Elle semble n'avoir cure des solos enviables du guitariste. Pendant que je suis en concert, pendant que je fais ma musique, il y a un peintre qui fait des toiles par rapport à la musique que je joue. Les scientifiques nous disent que la musique se reflète à travers les couleurs. C'est pour ça qu'on parle, par exemple, dans le jazz, on parle de la blue note, la note bleue, blue note. Apparemment, la musique ressort des couleurs. Ici, c'était Paris. Zaza Noah au pinceau, Djelo Ava à la sono. Il paraît qu'un fil d'Ariane se tisse entre les deux durant le concert. Et le tableau final est une copie du ressenti émotionnel du peintre quand la musique est bonne. Ça dépend de la sensibilité du peintre, parce que tous les peintres aussi, c'est un peu comme les musiciens, il y en a qui sont assez rush, d'autres qui sont assez cool. Donc quand on me choisit pour faire cette musique, c'est parce que le peintre, à travers ma musique, arrive à s'exprimer, arrive à étaler ses couleurs. Avec Zaza, c'était quoi comme rythme? Alors, on a fait un peu de reggae, reggae jazz. Reggae jazz, on a fait du jazz, on a fait de la musique de chez nous, du Picoutsi. Voilà le résultat, jugez-en. Les deux avaient pris une invitation pour Roland Garros. C'est dire si la mayonnaise a pris. Ailleurs toujours, on s'en sert et de plus en plus pour soigner les bobos de la tête, les cerveaux et nerfs malades. Avis à ceux qui connaissent, ceux dont la tête des fois fuit. La musique adoucit les mœurs avec des pinceaux. Je ne vous le fais pas dire, Serge Atanabiso. Dans la suite du journal, le président de la République, Paul Biya, adresse ses vives et chaleureuses félicitations.